On en parle peu, mais les besoins en matière d'alphabétisation sont importants dans notre région. Pour en discuter, je reçois Danielle Rochefort, formatrice pour l'organisme Alpha Laurentide. Bonjour, Bonjour, Mme Rochefort. Bonjour. Ça me fait plaisir de vous recevoir, d'autant que si ma mémoire est bonne, c'est la première fois que votre organisme vient à l'émission en 7 ans. C'est un organisme qui est important parce que les besoins sont criants, en fait, d'aider les analphabètes ou les gens qui ont des défis. On peut dire ça comme ça? Exactement, vous avez les bons mots. Quelle mission vous vous êtes donnée? Parce que là, cette entreprise est existante, cet organisme est existant depuis 82. Exactement, dans les Laurentides, depuis 82. Donc, toutes ces années-là, 36 ans maintenant, est-ce que la mission est la même? Puis, quelle est-elle? Elle est toujours la même. C'est de donner une opportunité aux gens qui sont peu alphabétisés de compléter leurs apprentissages, je dirais d'un niveau primaire. Alors, on va rejoindre toutes sortes de personnes. Des personnes qui sont vraiment analphabètes, ça concerne à peu près 4 % de la population qui ne savent ni lire ni écrire. Population québécoise, hein? Québécoise. Okay. On ne parlera pas des Laurentides, dont je n'ai pas les statistiques. Ensuite, on a à peu près 15 % de gens qui ont un petit niveau de lecture, mais qui ont de la difficulté à lire une petite posologie pour un médicament ou des trucs comme ça. Et on a 34 % qui sont capables de lire un article de journal, mais pas de comprendre un éditorial. Alors, c'est pour un total de 53 % des Québécois qui ont été souvent scolarisés. C'est énorme. C'est énorme. C'est très, très... Donc, ils ont été scolarisés, ont souvent obtenu leur secondaire 5 ou en tout cas... Ou 3 ou 4. Ils sont passés par les mailles du système. Exactement. Et ils se retrouvent avec un niveau d'alphabétisation tellement faible qu'ils sont limités dans leurs opportunités d'avancement au travail. À un moment donné, la machine dans une usine va changer, on a besoin de lire la nouvelle façon de fonctionner, on ne peut pas y arriver. Alors, c'est vraiment... analphabétisme, je m'excuse, rime vraiment avec pauvreté, difficulté à s'orienter dans la vie. Donc, les défis ne sont pas nécessairement seulement qu'au travail, c'est-à-dire les circulaires, aller au guichet... Imaginez tout ce qui concerne lecture... Voter, exactement. C'est un très bel exemple. Aider son enfant de première, deuxième année qui fait les apprentissages. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de gens concernés et dans beaucoup de domaines où la lecture est en jeu. Donc, je vous disais hors d'onde que dans le fond, le défi des gens qui se sentent concernés par ça, ce serait juste de franchir la porte. Allez vous rencontrer, parce qu'après ça, leur vie peut juste fleurir, peut juste être plus intéressante, ouverte sur le monde. Oui, et puis c'est vrai que c'est le premier pas qui est difficile à franchir, parce qu'on s'imagine qu'on va retourner dans un système semblable à celui qui nous a mis hors de circuit. Exactement, un peu comme dans une case. C'est ça. Puis souvent, il y a certaines personnes qui ont vécu de l'intimidation, qui ont vécu du rejet, et ils revoient ce pattern-là. C'est pas ça du tout. Alpha Laurentide, des petits groupes, 4 à 10, 12 personnes. On travaille sur les objectifs de chacun. On travaille à travers des sujets concrets de la vie. Un budget. Ça peut être quoi? Oui, allons-y avec le concret. Un budget, comment on organise ça? Lire un bail, comment signer un bail? Parce que, tu sais, signer un bail, on sait tous comment faire. Signer une police d'assurance, mais lire ce pour quoi on signe, ça devrait être fait bien avant de considérer signer le bas d'un bail. Exactement. Puis d'être capable de lire la petite... note en bas qui dit beaucoup de choses. Alors, c'est dans des choses comme ça qu'on va travailler. Et bon, c'est des activités collectives. Après, on dit, bon, mais toi, tu as tel objectif plus grammatical, voici des exercices à faire, etc. Ensuite, on va faire des choses dans la communauté. On va aller visiter la bibliothèque, une exposition, plein de choses qui font aussi que les gens sont... Plongés, initiés à leur communauté, les services qu'ils s'offrent à eux, que souvent ils ignorent. Et puis là, on les met en contact avec ces services-là. Mais en plus de ça aussi, j'ai l'impression c'est qu'on brise des barrières, on jase avec des gens qui ont des enjeux qui nous ressemblent, on est moins gêné, on se sent moins que rien parce qu'il doit y avoir toutes ces pensées-là qui nous visitent. Tout à fait. Quand on a des défis comme ça, ça ne nous définit pas ultimement, complètement, comme personne? Tout à fait, parce que moi, j'ai eu, l'an passé, j'avais un groupe où j'avais 6 personnes, et toutes ces personnes-là avaient des forces et des atouts extraordinaires, mais avec des lacunes en lecture. Il y a certaines de ces personnes-là qui voulaient s'orienter vers le secondaire et qui y sont arrivées. D'autres qui avaient plus un objectif de lire un journal, ils y sont un peu arrivés. Alors, tranquillement,
on a fait une session ensemble. Si on en fait plus, c'est encore donc, plus gagnant. Comment ça fonctionne? Combien d'heures par semaine? Combien de mois? Ça combien dépend. D'années? Les services, il y en a de Tremblant à Saint-Sauveur, Morin Heights. Il y a des services un peu partout. Mm-hmm. Sainte-Adèle-des-Serres plus Saint-Sauveur, Morin Heights, c'est tout ça. C'est souvent une demi-journée, une journée. Sainte-Agathe, je crois qu'ils vont jusqu'à deux jours par semaine. Ça dépend de la demande. Alors, s'il y a des gens qui connaissent des gens, oui. c'est important de leur dire qu'il y a un service qui existe. Et que c'est gratuit. En fait, ça coûte 5 $ exactement, pour l'année, juste pour dire qu'il y a une petite implication. Et il n'y a aucun autre argent qui sera demandé. Donc, on peut se faire des amis, on peut sortir de l'isolement, on peut, voilà. On peut juste gagner de cette implication-là. Tout à fait. Vous gagnez aussi parce que vous travaillez avec d'autres organismes, d'autres personnes qui ont à cœur tous ces gens-là. Donc, vous vouliez prendre quelques secondes pour justement remercier ces gens-là, ce qu'on ne fait pas assez souvent, je pense, dire merci. Oui, merci beaucoup au Café L'Entre-Jean, qui est sur la rue Valiquette à Sainte-Adèle et qui nous offre gracieusement leur local pour que je puisse enseigner à ces jeunes-là et ces moins jeunes-là. Donc, c'est à partir de 16 ans, jeunes et moins jeunes. C'est ça, après l'âge obligatoire de scolarisation. Et ainsi que Le CAP Jeunesse Emploi. Merci. Ma mémoire est fantastique, surtout quand je prends des notes. CAP Jeunesse Emploi qui collabore très bien avec nous en nous en envoyant des personnes qui sont à la recherche d'un service. Et ils les mettent sur notre piste et c'est merveilleux. Alors, on les remercie parce que sans eux, on est pas mal seul avec notre bonne intention d'aider les gens. Exactement. Puis j'oublie un petit détail. Il existe aussi des ateliers en mathématiques pour ceux qui seraient existés. Et c'est déjà en cours et ça se passe à la Polyvalente Morin. Alors, très petit groupe en mathématiques. Alors, j'invite les gens à faire le premier pas. T'sais, ça pourrait être ça, l'engagement, juste vous appeler puis voir si ça correspond à leurs besoins, si on peut les guider ailleurs, si ce n'est pas chez vous, mais juste à appeler. Après, exactement. Ça, on verra. Hein, on peut juste être gagnant. Tout à fait. Et si vous connaissez quelqu'un, mettez-le sur notre piste, ça va exactement. Nous faire plaisir. Exactement. Merci infiniment pour cette première visite, puis j'espère qu'il y en aura d'autres. Merci beaucoup. On jase de réorganisation. On travaille tout de suite après cette courte pause. Bougez pas.